Le régime militaire du Niger, issu d'un coup d'État, a accusé mercredi la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien nigérien et libéré des terroristes, ce qui constitue, selon lui, un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Les forces françaises ont fait décoller mercredi de N'Djamena, au Tchad, un avion militaire à 6h01 locale, indique un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui a pris le pouvoir au Niger. Ajoutant, cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 local. Dans le même communiqué, le CNSP accuse Paris d'avoir, d'une façon unilatérale, libéré des terroristes prisonniers. Le mot « terroriste » désignant des djihadistes armés. Après leur libération, ces djihadistes ont participé à une réunion de planification d'une attaque de position militaire dans la zone des trois frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali, dans l'ouest nigérien, ajoute le CNSP. Sans faire de lien direct avec cette libération de djihadistes prisonniers, il annonce dans le même communiqué que mercredi matin, la position de la garde nationale de Burkou-Burkou, dans la zone des trois frontières, a fait l'objet d'une attaque. Le bilan provisoire de cette attaque, par des bandits armés, est de 5 morts et 4 blessés, dont 2 graves, évacués à Niamey. Selon un communiqué de la garde nationale du Niger, cité par une journaliste à la télévision nationale mercredi soir, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays, affirme le CNSP, dont le but est de le discréditer et de créer une rupture avec le peuple qui le soutient, de créer un sentiment d'insécurité généralisé. En conséquence, il est demandé aux forces de défense et de sécurité FDS de relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire et au peuple de rester mobilisé et vigilant. Ces accusations contre l'ancienne puissance coloniale dans la région, particulièrement prises pour cible depuis le coup d'État du 26 juillet, surviennent à la veille d'un sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Nigeria. Cette organisation, jugée à la solde de la France par les militaires ayant pris le pouvoir à Niamey, les a menacés d'une intervention armée en cas d'échec de la diplomatie afin de rétablir dans ses fonctions le président nigérien renversé, Mohamed Bazoum.